Le bobsleigh est un sport de glisse extrême intégré aux Jeux Olympiques dès 1932 pour les messieurs, mais seulement en 2002 pour les dames. Les vitesses y avoisinent les 120 km/h avec des pointes à 135. Un pilote et un freineur, plus deux équipiers en bob à 4, dévalent une piste glacée. Le pilote est le premier à monter dans le bob, le freineur saute dans l'engin en dernier. Les bobeurs prennent leur élan sur 50 mètres en courant avant de dévaler la piste d'environ 1400 mètres de long. Avec une pente entre 8 et 15% et une vingtaine de virages, les athlètes sont soumis à une force proche de 4G. Le casque intégral est obligatoire. Trois épreuves sont au programme, deux pour les hommes en bob à 2 et à 4 et une épreuve féminine en bob à 2. Le classement est établi en 4 manches. L'équipe qui réalise le meilleur temps total a gagné. Le bobsleigh est une luge à coque aérodynamique. Elle est équipée de deux paires de patins métalliques indépendantes. Le pilote dirige le patin avant à l'aide de deux poignées. Le freinage est effectué avec un râteau à l'arrière sur une zone qui s'étire après la ligne d'arrivée.